la même formation que les entreprises. Et les entreprises. La grosse différence, c'est que tout ça, c'est plein, alors que le bambou est creux. Ça, c'est plein, en fait, de la substance nutritive qui va aider le bambou à pousser aussi vite. Là, ce sont les racines. En fait, elles peuvent faire 3 ou 4 mètres de long et descendre dans la terre pour aller chercher de quoi se nourrir. Et puis, ici, un coup sur deux, mais en fait, comme vous le voyez là, moi je le vois à l'opposé, hein, c'est un peu comme la rayure, c'est alterné. Donc à chaque nœud, il y a un bourgeon. Et de ce bourgeon, il peut se passer en fait deux choses. Soit une tige pareille que celle-ci, donc un rhizome, va partir dans la terre horizontalement, entre 0 et 60 cm sous terre, pour augmenter la ration entre guillemets nutritive de la plante. Ou alors, personne ne sait pourquoi, le bourgeon va partir vers le haut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va dans la terre, il va se développer. Et quand il va pointer son nez, donc vous connaissez l'histoire, en 3 mois, la tige, les branches, les feuilles, à 18 mètres de haut pour 10 à 15 ans. Voilà l'histoire du bambou. Alors ça, c'est les plus hauts. On a vu le séquoia qui est là, le plus haut. Je vous propose maintenant d'aller voir l'arbre le plus ancien sur Terre. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Celui qui était sur Terre il y a 250 millions d'années. Il s'appelle le Ginkgo biloba. Il se trouve au bout de... Alors, Ginkgo biloba, ce sont en fait ces deux immenses arbres que vous voyez là-haut, derrière moi, vert clair, pointés leur nez vers le ciel. Vous les voyez, ces deux-là? Ça, ce sont les femelles. Elles ont à peu près un siècle. Je vous dirai tout à l'heure où se trouve le mâle, un peu plus âgé, et qui, en volume, représente à peu près le même que les deux réunis. Donc, très impressionnant à voir. Alors, il y a 250 millions d'années, la planète, c'est un continent et un océan. Il était déjà là et il a tout traversé pour venir jusqu'à nous. On l'a en fait redécouvert en Chine vers 1750. Quand on a voulu l'acheter, il fallait payer 40 écus d'or. Et en fait, c'est son premier surnom, Ginkgo biloba, on l'appelle l'arbre aux 40 écus. Parfois, on l'appelle aussi l'arbre aux 1000 écus, parce que si vous revenez dans quelques mois à l'automne, chacune de ses feuilles sera devenue jaune d'or. Et je vous promets, c'est un spectacle magnifique. On a l'impression que l'arbre prend feu. C'est de toute beauté. Ces feuilles ne sont pas seulement belles, elles sont très utiles en médecine. On les utilise beaucoup pour la circulation du sang, la micro-circulation du sang. On travaille actuellement sur ses bienfaits pour la mémoire. Donc une bonne plante. Et elle a plein de qualités. D'abord, elle résiste à tout. Elle résiste aux insectes. Elle résiste au feu. On ne peut pas brûler un ginkgo. Quand le ginkgo sent la chaleur monter, il se recouvre lui-même d'une substance qu'il fabrique. On dit que la plante est ignifuge. Il résiste à toutes les pollutions connues. C'est pour ça aussi que maintenant, c'est l'arbre fétiche qu'on implante dans toutes les grandes capitales mondiales parce que la pollution, il s'en moque. Et puis, il a résisté aussi, peut-être vous le savez, à la pire chose, je pense, que l'homme ait créée sur Terre, c'est la bombe atomique. C'est-à-dire que quand elle a explosé à Hiroshima, l'année suivant l'explosion, au printemps, à 1 km de l'épicentre, de là où la bombe avait sauté, on a retrouvé 3 ginkgos partiellement brûlés qui ont refait des branches et des feuilles sans aucune mutation génétique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été touché par les radiations. Inutile de vous dire qu'au Japon, on l'appelle l'arbre de vie et c'est un symbole incroyable. Vraiment, un arbre très très positif. Donc n'hésitez pas, tout à l'heure, je vous indiquerai où il se trouve, aller voir le mâle parce qu'il est vraiment de toute beauté. Donc ça, c'était il y a 250 millions d'années. À l'époque, il n'y avait pas d'insectes pour se reproduire. La femelle fabrique ce qu'on appelle un pseudo-fruit qui va tomber par terre à l'automne. Le mâle envoie du pollen qui va venir se poser dessus. Et ce pollen va se transformer en fait en spermatozoïde pour féconder le pseudo-fruit comme si c'était un ovule. Et puis, si on se rapproche un peu de nous, 160 millions d'années, on va avoir le premier arbre sur Terre à avoir fait des fleurs et des feuilles. Il est au-dessus de votre tête. Je vous présente, messieurs, dames, Magnolia grandiflora.
une révolution dans la manière de reproduction des plantes, puisque pour la première fois qu'on a des fleurs, les insectes arrivent entre temps pour pouvoir s'en occuper. On voit là une fleur, regardez, elle est sortie ce matin, il y en a plusieurs autres, elles sont un peu hautes. Ici on en voit une, il y en a une autre là. Donc des fleurs magnifiques, énormes, à peu près grandes comme mon chapeau, qui durent en moyenne 2 jours. La floraison, quant à elle, dure à peu près 3 mois, donc on s'en régale. Mais quand on voit une fleur, eh bien, il faut vite la prendre en photo parce que le lendemain ou le soir même, elle aura disparu. Alors, on va continuer notre petit nouveau de ce côté-ci. Alors, derrière moi, encore un arbre qui vient d'Amérique. C'est un cyprès de l'Aussonne. Donc, juste deux petites remarques à son sujet. La première, la hauteur du tronc est haut et très droit. Alors, vraiment très, très haut. Qu'est-ce qu'on a pu en faire, d'après vous, pendant quelques siècles, qu'on ne pouvait pas faire avec un autre arbre, comme des pylônes ou des planches? Du fait de sa très grande hauteur, c'était le seul pratiquement qu'on utilisait pour faire des mâts de bateaux. Effectivement, oui, hein, pendant plusieurs siècles, les bateaux, heureusement, ont sillonné la planète pour justement nous rapporter toutes ces plantes exotiques, ces graines, ces tissus, ces parfums. Et bien, c'était avec le cyprès de l'Aussonne qu'on faisait les mâts. Et puis, regardez l'originalité des branches qui, visiblement, n'ont pas vraiment envie d'aller vers le soleil, hein, parce qu'elles plongent toute la tête la première vers le sol. Ce n'est pas du fait de son grand âge, c'est simplement un mode de reproduction différent. Ça s'appelle le marcotage. C'est le fait que les branches vont rentrer dans la terre, se transformer en racines, se promener sous terre et ressortir un jour plus loin sous la forme d'un nouveau cyprès. Il peut aussi se reproduire avec ses cônes, c'est un conifère, mais les sujets très anciens aime bien faire ce genre de reproduction par le sol. Les fraises font un peu ça aussi, hein, le marcotage. Voilà. Et bien écoutez, en ce qui concerne mes explications, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette demi-heure passée ensemble, moi en tout cas oui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition avec plaisir. Sinon, vous voyez le petit panneau vert qui se trouve là, juste à une vingtaine de mètres. Si vous partez sur votre gauche, vous allez arriver dans ce qu'on appelle le vallon du dragon. La bambouseraie a 150 ans. Le vallon du dragon a été fait il y a une dizaine d'années par un paysagiste français, Éric Borja, spécialisé dans les jardins zen, bouddhistes et feng shui. C'est une merveille. C'est là que vous pourrez voir le ginkgo mat. C'est ensoleillé. Thank you.